Le dernier sondage parlait de la régularité des events sur MCK Team. Si vous n'êtes pas au courant, on organise de temps en temps des events. Il y en a un qui est sorti, c'était un Random Fight Tournament et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. Je vous ai posé la question, à quelle régularité devraient apparaître les events? Vous avez été pour la grande majorité pour qu'on fasse un event par mois. C'est une cadence, mine de rien, on essaiera de tenir un maximum cette cadence d'un par mois, vu que c'est vous qui l'avez décidé. Hein. Si jamais on manque de map au bout d'un moment, on essaiera de faire des events un petit peu moins souvent, mais dans la mesure du possible, on va essayer d'en faire un par mois. La map du prochain est déjà prévue, c'est l'image que vous voyez ici, que vous avez déjà vu d'ailleurs à l'épisode précédent de Minecraft Z Offert. En attendant, voici un épisode 6 exclusivement entre MC4. N'oubliez pas que le serveur est toujours ouvert aux candidatures, etc. N'hésitez pas à venir dessus. Donc, bon épisode. Bonjour les Minecraftiens, ici c'est B35, rien à foutre, je commence, je préviens personne. Oh bah tiens, quelqu'un est parti. Oh bah c'est un jeu. Voilà. Ce qui en soi n'est pas très étonnant. Pourquoi est-ce que quand on te frappe... Laisse-moi finir mes intros, imbécile! Donc, je disais, Tajof ne peut pas être là même s'il est connecté parce que son PC ne peut pas faire tourner Minecraft en 1.9. Insérer musique triste au montage, oui, je sais. Et en plus, autre nouvelle, mais pas des moindres, son micro déconne tellement que même en foutant son volume à 200%, on l'entend à peine. Donc il est parti du vocal, bien dommage. On est tout de même en compagnie de Mr. Fanax, Spirit et The Creepy. Mr. Fanax, oui. YOLO! Voilà. YOLO. Ma façon de dire bonjour. YOLO! Voilà. YOLO! toujours suivi d'un petit voilà. Comme vous l'avez pu constater également sur l'event qui est sorti il n'y a pas longtemps de notre point de vue. Alors, nouvel épisode de Minecraft Z Offert sans public cette fois parce que les gens sont des branleurs, ils sont pas là un dimanche de week-end prolongé. Franchement, sérieux, les mecs, il y a une vie, soyez sur votre PC un dimanche de week-end prolongé. Regardez-nous, on est dans la merde. À 19h11 quand même, à 19h11, on fait ses devoirs normalement. À 19h11, un dimanche de week-end prolongé. Alors, normalement, on a vraiment fait ça. Quelqu'un les a déjà fait. Qui fait pas le vendredi. Oui, mais il y a des gens qui ne sont pas corrects dans le. Alors, si on est comme moi, on en a pas du tout et on s'en fout. Bon, je bah, tiens, toi et moi, on est pareil. Comme vous l'aurez constaté, j'ai changé un petit peu ma config de jeu en termes de tout ce qui est graphisme sur Minecraft. J'ai enlevé les packs de textures, je suis au pack de base, rien n'affiche parce que j'ai pas de pack compatible 3.1.9 pour l'instant. Et moi j'en ai un, sauf que j'ai changé de shader parce que mes préférences en termes de shader varient comme ça. J'ai changé le Silders contre le Chocapic. Chocapic, ouais. Et Chocapic. C'est fort en effet graphique. C'est fort en effet graphique. Quelque chose de très important, quelque chose qui est quand même très important, je vous dis, c'est que étant donné que le serveur a dû passer en point 9, qu'on a dû faire les inaugurations, tout ça. Ah merde, CLB, tu m'expliques pourquoi est-ce que mon armure a disparu? Un jour, The Creepy apprendra à ne pas couper les phrases. À cause de ça, on a passé un mois sans tourner. Ce qui fait que les épisodes, vous les avez vus avec un mois de retard, sauf à partir de celui-là où ça va commencer à être un petit peu plus à jour. Tout se passe bien. J'ai pas trouvé le jeu pour une raison qui m'échappe quand j'ouvre un point. Franchement, les gens ne respectent pas. Je fais un champ, je dis qu'il faut replanter. Ils font quoi les gens? Ils replantent pas. Et en plus de ça, ils pètent la tête. J'ai rien pris dans ton champ. Non, mais c'est rien que des voleurs, la nouvelle génération. Ils sont terribles. Et comme vous le constatez, mon stuff est absolument overcheaté. J'en avais un petit peu marre de faire la survie sur un serveur où je passe mon temps à faire de l'admin. Voilà. De la modération et d'administration. Okay. Notamment tout ce qui est plugin qui nous a bien fait chier d'ailleurs. Hein. Coucou à Tutur qui se reconnaîtra et qui, s'il voit les épisodes, je suis pas sûr d'ailleurs, avec qui on prépare des maps et on a essayé d'utiliser Multiverse. Ça a été la merde comme pas possible vu que les commandes blocs de la map sur laquelle on n'était pas fonctionnaient quand même sur l'autre map. Ce qui faisait que les gens mouraient en boucle à cause des slash TP. Je vais essayer de retrouver mon armure s'il te plaît. C'est pas que c'est dérangeant, mais un peu. Ah bah écoute, je peux pas faire de miracle. On a essayé 2-3 plugins. S'il y a eu des pertes, j'en suis désolé, mais j'y peux strictement rien. Ce qui fait que moi non plus. Oui, mais moi j'avais un arc. Ce qui fait que moi j'avais une. Gave-les-toi et on s'en fout des autres problèmes, putain. Ok. Oui, mais c'est nul. Si ça arrive à un autre joueur. Qu'est-ce que c'est que cette armure? Il a pas la Il nous préviendra et on lui rendra. Oh là là, tu poses des problèmes. On a essayé d'utiliser des plugins, on a loupé. Ça peut arriver à tout le monde. Gardons notre calme et arrêtons de tout me reprocher. Moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, même Tutur, il comprenait pas. Alors qu'il avait l'habitude de servir des plugins, lui. Moi je fais que mon job, moi. Et je pense que j'ai bien assez à faire avec tout ce bordel. Si je suis incompétent, qu'est la MC4 Team au niveau c'est pas de ma faute. De la gestion, c'est bien chiant comme il faut. Il y a plein de choses à faire. Je suis en train de faire le site de la MC4 Team. Si on frappe les gens, on meurt, c'est ça? Ah, seulement moi. Seulement toi? Ouais, et seulement moi, parce que je me suis donné une armure over OP. Et des élytres indestructibles.
Ouais, je vous avais dit que je me souciais plus de la survie et que donc je Alors tu me passeras tout ça. Je te passerai tout ça si tu veux. Ouais, bah écoute, GIF Generator. Ouais, pourquoi pas. Que tu me le passeras, non, ça me changera d'être nudiste. Tiens, bah Fanax, tu sais ce que je vais faire? Je vais me mettre en game mode 1 devant tes yeux, devant les yeux ébahis des spectateurs qui constatent que ce n'est absolument pas une série de survie finalement. Le cheat gratuit. La survie, je vous rappelle, c'est vous qui l'a fait. Voilà. Nous, les ennemis, on fait ce qu'on veut. Voilà. Est une série survie jusqu'à ce qu'on en ait marre et qu'on cheat. C'est-à-dire après 2 minutes de jeu. C'est un peu le schéma classique de Minecraft vous est offert. Mais, ah d'accord, oui. Là n'est pas la question parce que... Admin casque. L'admin casque, les admin bots. Eitra, admin casque. C'est cool, on retrouve tout son stuff, mais pas tout à fait. Mais en fait, elles sont... c'est un peu moisi. Allez, il y a des flex qui font qu'on ne voit pas les enchantements. Qu'est-ce que je cherchais? Alors, je sais pas si Feather Falling marche, on va tester immédiatement. Il ne marche pas. Eh ben non, ça ne marche pas. Pour moi, t'es fixé. Bon, du coup, tu peux jeter des bots, elles ne servent pas à grand-chose. Et un creeper vient d'exploser chez moi. Et c'est moi où il y a eu des changements un peu chelous sur le niveau de propulsion des creepers. Des fois, il y a des creepers qui explosent en 1.9, je comprends pas ce qui se passe, je suis ramené 10 blocs plus loin en une seconde à peine. Qu'est-ce que je voulais dire? Et je ne comprends pas. Moi, jusque-là, moi j'ai toujours réussi à m'en sortir en 1.9 avec les creepers. Surtout parce que j'ai l'arc sur moi. Mais... Putain, est-ce que je rêve ou est-ce que c'est le thème des Elder Scrolls que mon père est en train de jouer à la flûte? À la flûte irlandaise, là, actuellement. En tout cas, ça ressemble, j'ai entendu... Ah, la flûte irlandaise, ça c'est l'instrument. Bon bref, CB, tu pourras me passer... Quand tu seras devant mon pif et que je pourrais mettre en game mode 1 pour tout giver en mode duplication d'items d'inventaire au calme. C'est bon. Rien à dire. Je crois qu'il a utilisé un slash TP, mais je suis pas sûr. C'est un simple soupçon, hein. On ne va pas bannir des gens. Eh hein. Mais t'éloigne pas, idiot. Putain. Yes. Voilà. Moi, comme d'hab, ce que je fais sur le serve en ce moment, c'est surtout essayer de visiter. Ah ouais, ils sont juste considérés. Par contre, j'ai pas de boîte, j'ai juste... Mais juste avec cette armure-là, je suis OP, c'est ça? Oui, totalement, sauf pour ce qui est des chutes. Enfin, il y a un gros Feather Falling. Normalement, tu te TP 20 blocs en l'air, tu te fais pas mal. Hein. Mais ouais, par contre, 200 blocs pour avoir testé, c'est pas très concluant. Ouais, mais enfin, avec les Elytra, t'es pas censé. Sur 20 blocs en l'air, j'ai quand même perdu qu'un cœur et demi. Hein. Alors, qui a construit Servez-vous, mais replantez. Crolix. C'est quoi? C'est quoi ce... La betterave. Ah, oh, j'ai jamais eu autant de FP sur Minecraft. Oh, la betterave. Beetroot. J'ai... Putain, beetroot, plein j'ai beetroot. De betterave. C'est la première fois que je prends de la betterave entre mes mains en 1.9. C'est bon. Ouais, ça n'a absolument rien de plus que les patates, mais... Je n'ai pas de betterave à lui rendre, voilà. Ouais, voilà, moi aussi. Je pense que c'est juste les développeurs de voilà, j'ai cette compensation, je lui donne des roses. Okay. Oh, c'est mignon. Oh, tchouchoupi kawaii. C'était magique, j'ai essayé, je sais pas si c'est un bug, mais quand tu essayes de voler avec les élytras dans l'eau, ben, tu vas me regarder, j'ai l'air très con. Ah non, t'as pas pu voir parce que là j'ai remonté un peu. T'as pas de bouche. Personnellement, je vois pas l'intérêt de voler dans l'eau avec les élytras. Bon, enfin. Regarde. CB, est-ce que tu peux me regarder? On peut aussi nager. Absolument pas, Théo. Ou prendre un bateau comme ce que je fais. Par contre, il reste que 7 items secrets, donc les gens ils sont pas de péter les couilles, hein. Ils sont allés les chercher. Ça fait un moment qu'il en reste d'ailleurs plus que 7. Ça stagne. Ça évolue moins. Ça évolue pas trop. Venez sur le serveur et essayez de trouver les items secrets. Je vous rappelle, ça se voit pas trop là, mais le serveur est ouvert au public, je le dis 50 fois par épisode. Ouais, mais c'est important, il n'y a pas grand monde, on a quand même une chaîne de 400 abonnés, j'aimerais vous voir pointer le bout de votre pif. Bon, le serveur est sous candidature, soyez pas étonnés. Jamais. Mais toutes les informations sont dans la description et dans une vidéo qu'on a sortie précédemment, je vous laisserai à trouver. De toute façon, oui, mais il y aura sans doute. Les 400 personnes ont tous des comptes craqués parce que voilà. Parce je qu'on a pas, une communauté de débiles ou de gens qui n'ont pas réussi à convaincre leurs parents. Je dis de gens qui n'ont pas réussi à convaincre leurs parents parce qu'il y a plein de gens qui ont des versions craquées pour cette raison. Les parents, combien de fois je vous le dirai? Voilà. C'est un jeu ultra enrichissant, c'est cool. Super intéressant, c'est on peut faire plein de choses géniales. Le télécharger, vous voyez qu'on peut télécharger, vous le faites, c'est totalement illégal. C'est des développeurs qui étaient jusqu'à il y a peu assez indépendants, qui travaillent beaucoup pour ce jeu. Il coûte que 20 euros. C'est quoi 20 euros? C'est ce qu'on achète quotidiennement pour la bouffe. 20 euros une fois. Et me dites pas que le paiement en ligne c'est pas sécurisé, il y a quand même plus de 10 millions de joueurs qui l'ont acheté sur PC ce jeu, à ce que je sache personne ne s'est fait hacker. Donc au moins pour ça vous pouvez faire confiance, hein, s'il y avait eu de si, grosses... Si, il y en a beaucoup, mais enfin... Beaucoup. Ta gueule. Eh hey, oh, on est en train d'essayer de faire de la propagande là. Je sais, mais attends, voilà. Je vais expliquer à ma façon. Quand je fais de la propagande, le sang monte au crâne, je suis limite au niveau de m'évanouir dès que je suis fier d'un truc que je dis.
gros, 20 euros. Tu es né pour être dictateur. Votre c'est fils, cool. En gros, pour être bourré, il suffit que je gueule beaucoup. Vous lui dites, votre fille, je sais pas qui a envie de jouer à Minecraft, vous lui dites d'avoir une bonne note et il aura Minecraft. De toute façon, c'est 20 euros. Allez, c'est quoi 20 euros aujourd'hui hein? C'est un bon steak haché. Euros. Voilà. Non, un bon steak haché. Un bon steak haché à 20 euros, mon dieu. Steak haché à 20 euros, mec, il y a intérêt d'avoir de la coque et de la poudre lunaire dedans. Parce que là. Ah bah oui, c'est sûr. Un bon barbecue. Ou alors c'est. Avec de la viande marinée. On appelle ça de l'arnaque, c'est... monsieur. C'est un steak, mais genre un steak pour cyclope. Bon, bah en enlevant tout et en replantant tout, je viens de me faire un stock de betteraves. Je pense que je vais me nourrir qu'à ça jusqu'à la fin de l'humanité. Est-ce que la Brigeries, yeah, yeah, yeah. Venez d'ailleurs dans l'hôtel de The Creepy, la Brigeries, de son nom. Il suffit de vous inscrire enfin auprès de The Creepy quand il est connecté sur le serveur. Je rappelle déjà aux gens, je le dis comme ça sans magique. Contexte mais rien à foutre, que tous ceux qui ont pseudo en orange ne sont pas forcément opérateurs du serveur. Par exemple, Spiritus, je crois pas qu'il le soit. Ouais, bon, on est tous sur le serveur. En gros, c'est Laurent MC4, mais les MC4, en gros, ils ont tous des privilèges de VIP, mais tous ne sont pas opérateurs. Je sais, c'est pas clair, mais par exemple, Frosty, typiquement. Moi, devenir opérateur, non merci, hein, je vais sans doute me noyer dans les responsabilités, je vais faire que de la merde. Voilà. Alors, franchement. C'est pas un serveur à haute responsabilité. Un hein. Principal, ça c'est pas mal. C'est pas compliqué à gérer, hein. C'est juste que t'as accès aux commandes et tu fais un peu ce que tu veux avec vu que c'est pas super réglementé. Du moment que tu fais comme ce qu'a fait The Creepy au début, c'est-à-dire donner des items qui étaient achetables sur la boutique, ruinant ainsi tout notre fonds de commerce et mettant en péril l'hébergement du serveur. Je vise personne. Oui. Moi, tu vois, je suis admis, mes responsabilités, ça consiste à cheater en me téléportant. Voilà. Hein, et d'aider un joueur si jamais il te demande, ça va de soi. Pareil pour les gens qui ont le pseudo inverse, oui. Ce sont des opérateurs. Pourquoi je lag comme ça Ce sont des opérateurs, disais-je, qui participent soit au build dans le cas de Tutor Potato, soit à la gestion et un petit peu au build aussi de la map principale dans le cas de Ben. Et ces gens-là sont aussi susceptibles de vous aider si vous avez une question à leur poser, n'hésitez pas. Bon, Tutur sera peut-être pas super apte à vous répondre parce que ça fait très peu de temps qu'il intègre la petite équipe de modération dans laquelle il ne compte absolument pas être actif d'ailleurs. Hein. Je vais juste donner les droits parce qu'il construit des trucs sur le serveur et qui peut nous être utile. Vous ne le répéterez pas. Alors ensuite... Bien sûr que non. Tiens, il est en train de jouer à Adventure Capitaliste. Je ne sais pas quel est ce jeu, mais... Putain, pourquoi j'ai des frisouilles? Ça m'emmerde. J'aime pas les frisouilles. Alors, vous venez d'entendre en exclusivité. Là, je suis pas plus haut niveau mort, je suis étonné. Comment est-ce que je me dis bah, c'est mon père qui râlait à propos des mises à jour Windows, et comme je le comprends. Et sur son PC portable, on est à 6% là. Ah oui, quand même. Tranquille, tranquille. Foxstar08 qui a dit je change mes paramètres graphiques en plein milieu d'un épisode. On va dire que je m'en fous. Parce Hein, voilà. Hein, oui, clairement. Hein. Oh, hein. De toute façon, tout le monde s'en fout. Hein. Oui. Oh. Oui. Par contre, ce dont je me fous un peu moins, c'est qu'à cause du lag, ma porte à piston est bloquée. Bien. C'est mieux. Ouais. What se faire chier pour un système. Lag au final, off, ça, weather on, même si ça me fait chier. Full screen off, show FPS, pas besoin. Donc, soit disant que ça. Je vais dans Quality. En Quality, il a changé les trucs, c'est surtout dans la performance. J'essaie de mettre les smooth FPS, si ça peut servir à vraiment lisser FPS, ce que je lui demande de faire. Fast render off. Ouais, sauf si c'est une fonction qui prend tellement de ressources que en fait tu perds plus de fluidité que t'en gagnes. Mm. Ce serait beau. Ok, quand t'appuies sur off, ça fait toujours off. C'est genre le point test button, quoi. Smooth World, c'est plutôt utile, je sais pas exactement ce que ça fait, mais le stabilise. Oh, CLB, regarde, maintenant je suis désormais ultra pété. Oh, c'est bon, je suis craqué. Qui s'en bat ouvertement les couilles. En fait, c'est juste que j'ai juste un bouclier. Putain, mais je désactive tout ce qui dit peut nuire au FPS. Je mets sous Smooth FPS et tout. Par contre, ça m'empêche pas d'avoir des frises. Eh bien, oui, comme Joff l'a dit, la 1.9, c'est la 1.9. Je vais essayer d'enlever Shader juste pour voir. Oui, je pense que ça marchera mais beaucoup. Mais souvent, mieux. Quand j'enlevais Shader, ça changeait absolument rien. J'ai un PC beaucoup trop craqué pour ça. Ah bah oui, regardez, ça change rien, j'ai toujours des frises. Oui, mais le mien il est plus craqué. Voilà. On va aller vous faire mettre, on va dire. Là, t'as combien d'FPS? Mais t'as payé quoi? Moi j'ai plus d'argent, voilà. Ah putain de merde. Ah bah si je remets, c'est encore pire.
Mais c'est quoi ce délire? Est-ce que la reine PVP elle est finie ou pas? La reine PVP, je sais pas, mais le roi PVP, il attend en ce moment. Non, parce que comme la reine PVP, je sais pas, faudrait peut-être. Personne n'a fait de remarques sur ma blague de merde, je suis content. Le métro sera sûrement useless, c'est sûr et certain. Mais FPS, putain! Oh. Je pense que c'est le Et là, actuellement, il y a tout mon public qui joue à 15 FPS quotidiennement, Ben 13, oui, voilà. Qui est en train de sourire en coin et de se dire que je suis vraiment un sale gosse de riche, que je ne me contente absolument pas de ce que j'ai et que des gens ont faim dans le monde, hein. Et oui, quand on s'habitue à un certain luxe, c'est difficile de perdre. Si les mecs, ils ont faim, faudrait que j'écrive une thèse sociologique. Ils achètent un steak. Point, voilà. Un steak à 20 euros quand même. Voilà. Dire. C'est pas facile de survivre tous les jours. Ouais, non, mais j'ai aucune conception de ce qu'est le pouvoir d'achat en France. Hein, mais... j'ai mangé du poulet. Bon, bah, dans le prochain épisode, il n'y aura plus de frise. C'est promis. Smooth lighting level maximum. Bah, de toute façon, j'ai un shader, donc si j'enlève, ça change rien. Oui, d'accord. Et c'est pas ça qui provoquait l'épisode. On l'appelait l'épisode configuration du PC. Discal, on s'en fout. Ça changera sûrement pas le lag, c'est la taille de l'interface. Oui. Le fog. Et donc, vous voyez du gameplay assez passionnant. J'espère que vous admirez quand même l'adresse de CLB qui navigue dans les menus avec vivacité et grâce. Je vais essayer de mettre le max frame rate en V5. Putain, plus, t'as rien. Apprenez des choses. Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Je me suis TP, c'est tout. Ok. Sauf que viens sur la plaque de pression. Viens voir la plaque de pression. Viens. C'est B, regarde. Ah, tu veux la belle plaque de pression? Regarde ce que je t'ai passé, c'est pété. Tu vas passer un truc. Oui, le coffre. Ok. Le shield du shield. MD LOL. Le shield OP. Tu vois qu'il est OP. Et tu vas voir qu'il le dégage sa vie. Mais arrête de spammer, t'es con, on est en 1.9. Pourquoi? Faut plus spammer maintenant. Oh. Putain, non, tu vas pas me dire qu'il va falloir changer nos habitudes, là. Bah si. Oh. Oh merde, mais le type vient tout juste de tilter. En fait, pour te dire, j'ai jamais essayé la 1.9. Et oui, t'as dit, essayons. Moi, j'ai essayé. Y'a un combat sur les armes, espèce d'idée. C'est génial, t'as fait la porte du TARDIS. Ah, la différence quand il n'y a pas de smooth lighting, elle se voit quand même, même sans, même avec les shaders, je veux dire. Donc tu dis maintenant il faut se battre comment dans la 1.9? En attendant un petit peu que les coups se rechargent. Donc tu ça dis maintenant faut ça pas se voit, il faut que l'épée soit le plus haut possible. Sur les épées en fer, ça va, c'est pas très long, c'est une demi seconde à peu près, mais par exemple sur une hache en diamant, bonjour. Ah oui, tiens, d'abord, en contrepartie, l'hache en diamant est plus puissante que l'épée en diamant. Elle est en place. Cool. Ah oui, ouais, et le shield est bien OP, ouais. J'ai juste 3 barres de vie maintenant. Moi aussi, hein, qui sont oh, pleines. Putain. Et comme il reste, tu peux switcher d'un. Non, moi je l'aime bien, mon petit bouclier. J'ai mis une bannière. Moi j'ai le bouclier en bois qui est même pas custom. Oh, moi j'ai custom avec une épée, avec une croix celtique. C'est beau. Pourquoi on peut custom les boucliers maintenant? Pourquoi? Ah ouais, tu fais une bannière. Pourquoi j'ai une barre de cooldown qui apparaît alors que j'ai absolument pas configuré pour qu'elle soit là? Puis tu fusionnes les deux. Une bannière, puis tu peux fusionner deux. C'est aussi simple que ça. D'accord, donc moi il faut que je fasse une bannière qui soit classe. Exactement. J'ai tout compris. Très bien. Connaissant l'humour de ce creepy, je suis sûr que vous le voyez venir. Comment on écrit bannière en anglais? C'est banner juste. Banner, ouais. Très bien. Oui, c'est vrai, j'ai une... Putain, alors là, je crois que j'ai fait un truc. Il y a trop d'options graphiques. Un truc pour pouvoir faire une bannière. Et ensuite, je vais faire un bouclier impressionnamment beau. J'ai toujours des lags, putain. Hello guys, it's me. Je suis sûr que c'est à cause de Fraps. Encore Fraps. Je n'ai toujours pas passé. Ça, c'est une vidéo qui fait marrer. Le truc de Envy. Il y a Minecraft avec les shaders, mais en 3 FPS, c'est assez drôle. La vidéo est impossible à visionner. Bon, mais j'avais pas eu de problème sur les premiers épisodes. Oui, enfin, tu me diras, sur le premier épisode, j'étais pas assez prêt. J'étais dans la totale euphorie d'avoir changé de PC. Je me souciais pas de rien. Explique-moi comment faire. Ah oui, évidemment, quand on a weakness, c'est compliqué de tuer des ennemis. Ouais, c'est pas faux. Autant c'est touché. Alors regarde, une black banner, donc on va se mettre en game mode. Ça veut dire une bannière noire. Bon, là, bravo, dans mon esprit vient d'apparaître la bilinguistique, voilà.
Une bannière dans, noire. Dans mon esprit vient de naître l'idée, il faut maintenant, pas avant, pas après, que cet épisode devienne intéressant. Alors je compte sur vous les amis de la MC4, brainstorming. Qu'est-ce qu'on fait? On met un titre putaclic. Nice, vous avez une idée. Vous avez une idée. Ce qu'il va faire dans cette vidéo, il joue à Minecraft. Oui, c'est pas mal. En réglant ses options graphiques. Oui, on met une croix gammée sur la miniature aussi. Ouais, non, mais j'ai pas envie qu'on fasse bannir de YouTube non plus. Hein, faudra que t'assumes les conséquences. Hein. Si tu veux, l'adresse de la chaîne, je la mets à, jamais à, bah, à ton adresse. Hein, que je pourrais d'ailleurs délivrer de cette, dans cette vidéo parce que je la connais quasiment par cœur. Je la connais par cœur, ouais, on peut dire. Putain, une minute de vidéo, il se passe rien. Je sais la commune, je sais l'adresse. Fanax, je peux détruire ton âme. Je peux faire venir 400 abonnés chez toi. Et tu auras ta soeur, ton frère, ta famille, ton chat. Et. Non. Ton chat qui s'appelle Cookie d'ailleurs. Reprends la bannière. Et oui. Trop mignon. Oui, c'est pour ça qu'un jour il faudra le nettoyer parce qu'il commence à encombrer le navigateur. Eh, c'est pour ça qu'on met pas de chat sur les navires parce qu'ils encombrent le navigateur. Voilà. Nous avons la tête quand même. La révélation du monde. Je me passerai de son réaction. Voilà. Je me passerai de son réaction. Mais par contre, il me pardonne toujours pas. Okay. Je te pardonnerai à la fin de l'épisode. Est-ce que c'est comme ça que tu comptes rendre un épisode intéressant en persécutant les gens? Ouais, surtout Mister Fanax, c'est un de nos membres qui font les blagues absurdes les plus comiques et les plus marrantes. Donc il peut servir. Ah, voilà. Des likes. D'ailleurs, au passage, n'oubliez pas d'en mettre un pour la promotion de l'épisode, son référencement, tout ça. D'ailleurs, si vous voulez le promouvoir directement, s'il y a des gens qui seraient susceptibles de ne pas connaître MVO5 et à qui vous aimeriez bien ajouter une invitation, par exemple, pour le serveur, n'hésitez pas à leur filer directement le lien de cette vidéo ou d'un autre épisode de MVO5. On vous serait entièrement reconnaissant. Oh, c'est magnifique. Voilà, vous n'hésitez pas à fournir quelques informations du genre MVO5, la série qui passe son temps à s'auto-promouvoir. Eh non, il faut bien qu'on fasse un bout d'un moment. Il n'y a pas de youtubeurs qui font ça avant même le début de leur vidéo. Donc bon, hein, j'ai envie de dire, moi... Là, on finira par mettre dans l'intro « Mets un like hein, !» et partage la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, ma couille. Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez mettre un pouce vert et partager la vidéo. Le swag. Tellement. Je suis en train de me débattre contre des putains de slime. Voilà. C'était la déclaration. Bah au moins ton épisode est intéressant. Au moins tu te bats là, tu cries, c'est bien. Voilà, tu te bats contre de la gelée verte. Attends, ces anciens représentaient quoi? C'est du vrai conflit. CLB contre la gelée verte, c'est pas mal ça. Attends. Non mais j'arrive pas à comprendre, c'est censé représenter quoi bordel? The Creepy revient ici. Est-ce qu'un squelette est mort tout seul en tirant dessus? C'est pas parfait. Oui, j'ai fait un bouclier bite. D'accord, désolé, ok. Désolé, c'est un tuto de 2 minutes fait par quelqu'un. Regarde, Fanax, c'est pas merveilleux mon bouclier bit. Attends, je te duplique, j'en ai fait 16. Bah attends. Oui, quand fait toi. Mon dieu, la team bit. Voilà, hein, la team bit. C'est pas pour ça qu'on avait ajouté un petit Peggy 10. Pour moi, c'est plutôt une allusion au bombardement aérien. Mais comme... Attends, mon bouclier, il a perdu tous ses effets, là. Oula, ça va pas me plaire. T'es baisé. Eh sérieux, avec les élytras, on peut faire des sauts d'un bloc et demi maintenant. Quand on se passe assez à barre espace, on peut passer de l'autre côté de barrière. Cette vidéo a perdu tout sens et toute dignité, eh bien je vais m'en aller. Et oui, au revoir. Je l'ai envie de rester pareil. Adieu. Je crois que je ne reviendrai plus jamais. Goodbye. Ah c'est bon, il est parti, cet emmerdeur. Attends, j'ai une idée. Je crois que c'est toujours dans mon presse-papier si je suis... Ton presse-papier, ça. Oui, t'as vu. Ah oui, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse dans cette série éventuellement restyler ma maison, mais j'ai la flemme, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait d'autre? De l'autopromotion? Non, déjà fait. L'épisode doit bien faire 20 bonnes minutes maintenant. C'était du gros délire avec la MC4, mais je pense qu'on va l'arrêter ici. N'hésitez pas à rejoindre le serveur. Le IP est dans la description, il est ouvert quasiment 24h sur 24, sauf quand on fait du matchmaking en même temps. Voilà. Oui, n'hésitez pas à donner votre argent sur la boutique du serveur qui vous permettra d'avoir des privilèges incroyables tels qu'une Elytra, là-haut on en a une incassable, ou encore des niveaux d'XP, vous en perdez 10 par mort. Faudrait que j'apprenne à me vendre. Non? Ouais.
Ouais. Impulsion, inconditionnel, conditionnel, toujours actif, par Redstone, inconditionnel, chaîne, répétition. Arrête avec tes command blocks, j'ai le monopole des command blocks sur cette chaîne, ok? Je sais, mais attends, j'essaie juste de me faire apparaître un livre enchanté pour pouvoir avoir plein d'enchantements bien pétés, en fait. Oui. Je suis en train de me faire baiser par des faiblesses, là, ça commence à piquer. Puis il y a où ce bâtard? Il y en a un qui me... Ah, il est là. Cette vidéo s'éternise beaucoup trop. Donc dans ce long couloir et ce long tapis rouge avec des petits frises à la Caen, je vous dis au revoir. Bah viens donc faire une forteresse du Nether, ça devrait faire quelque chose. Je suis dans la zone VIP. Voilà. Fallait pas que je la montre. Ah, la zone VIP. À laquelle zone VIP peuvent accéder en marchant sur un bloc d'or avec plein de petits privilèges. Oh, c'est merveilleux. Peut-être que à la salle de training, la saturation, des téléportations à différents points, les 15 secondes de TP qui sont réservées aux opérateurs de toute façon vu que sinon ça marche pas. Phanaxia, la petite île de Mr. Phanax que je vous présente de manière à conclure cet épisode. Qui ne l'a jamais commencé, je crois. Il l'a juste découvert et puis. Voilà, il a posé des torches et puis basta. N'hésitez pas à venir à ses coordonnées en vous téléportant directement si vous avez la zone VIP accessible ou en venant à pied si vous ne l'avez pas, que vous êtes pauvre. Même si, non, mais pour avoir, il n'y a pas besoin de payer en réalité, il faut juste regarder des publicités, c'est comme ça qu'on se finance. Bref, n'hésitez pas à venir en 1953-70-1545 pour le prochain épisode de MVO. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB, à plus tout le monde. Ciao. Bye. Merci infiniment à vous de regarder les vidéos jusqu'au bout. Pour vous récompenser, je ne vous donne strictement rien, mais ceci dit, je vous recommande tout de même de checker le Twitter. Je vous recommande également d'aller voir le Discord, d'aller voir la vidéo mise à gauche pour apprendre des trucs, rejoindre le serveur tout simplement. Et donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir pour le prochain épisode. C'était CLB.